Bamako est depuis cet après-midi la capitale de l'entrepreneuriat sous-régional avec la première édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UMOA. Une vingtaine d'exposants profiteront de ce cadre pour échanger leurs expériences et adopter des stratégies pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, gage d'un meilleur développement du continent. Le chef de la MISMA était hier à Kidal. Pierre Buoya est allé féliciter et remercier le contingent tchadien pour son engagement à aider le Mali à recouvrer son intégrité. Il a également précisé que désormais, les forces tchadiennes seront soutenues financièrement par la MISMA. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Ce mercredi 17 avril, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence de Diankounda Traoré, président de la République par intérim. Le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Nous découvrons ensemble le contenu du Conseil des ministres et c'est avec vous, Ibrahima Djambeli. Bonsoir. Bonsoir, Dessy Soko, mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction du centre médical interentreprise CEMI de la zone industrielle de Bamako pour le compte de l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Pour améliorer le plateau technique de cette structure sanitaire et améliorer les conditions de travail des agents, l'Institut national de prévoyance sociale a initié un programme de reconstruction du centre médical interentreprise de la zone industrielle. Le projet porte sur la démolition de bâtiments et d'aménagements divers et la construction d'un immeuble de 4 niveaux R+3 doté de plusieurs salles de consultation de médecine générale, de gynéco-obstétrique et maternité, de salles d'imagerie médicale, de salles d'ORL et d'ophtalmologie, d'archives médicales, de laboratoires et de bureaux administratifs. Le présent projet de décret vise à approuver conformément aux dispositions du Code des marchés publics le marché attribué après appel d'offres à l'entreprise Comaco pour un montant de 2 264 577 000 francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le financement est assuré par l'Institut national de prévoyance sociale. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire de parcelles de terrain sises à Goumbou dans la commune rurale de Ouagadou dans le cercle de Nara. Par ce projet de décret sont affectés au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire les parcelles de terrain sises à Goumbou dans la commune rurale de Ouagadou dans le cercle de Nara, objet des titres fonciers et suivants. TF numéro 0022 d'une superficie de 6 hectares, 41 hectares, 43 centiaires. TF numéro 0023 d'une superficie de 102 hectares, 30 à 84 centiaires. TF numéro 0024 d'une superficie de 76 hectares, 14 hectares, 83 centiares. TF numéro 0025 d'une superficie de 8 hectares, 64 à 4 centiaires. L'affectation de ces parcelles permettra de procéder au recasement des populations victimes d'inondations et de réaliser des opérations de réhabilitation urbaine dans la ville de Goumbou, dans le cercle de Nara. Un projet de décret portant affectation au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la parcelle de terrain sise à Kati Sanafara, objet du titre foncier numéro 68-134 du cercle de Kati d'une superficie de 50 hectares. L'affectation de la dite parcelle de terrain permettra la construction des locaux adaptés pour la Direction nationale de la formation professionnelle et de la Direction nationale de l'emploi afin d'offrir un meilleur cadre de travail et des services de qualité pour les usagers. Et sur le rapport du ministre de l'Équipement et des Transports, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'immatriculation, la nationalité, la propriété des aéronefs en République du Mali, à la réglementation de la circulation des aéronefs civils, aux conditions de création, d'utilisation, d'exploitation et de contrôle des aérodromes,
ouvert à la circulation aérienne publique au titre et qualification des personnels de l'aéronautique civile à l'exercice de l'activité d'inspecteur de l'aviation civile. 1. Le projet de décret relatif à l'immatriculation, à la nationalité et à la propriété des aéronefs détermine la procédure, les conditions et les effets de l'immatriculation des aéronefs. Il traite des cas de radiation du registre d'immatriculation et institue des redevances dues à l'occasion des opérations d'inspection ou de radiation. 2. Le projet de décret portant réglementation de la circulation des aéronefs civils fixe les conditions de la circulation des aéronefs. Il traite des modalités de circulation, d'interception et d'atterrissage des aéronefs. Il traite également des conditions de navigabilité des aéronefs, de la sécurité de la navigation aérienne, de la météorologie aéronautique ainsi que des dommages et des responsabilités. 3. Le projet de décret fixant les conditions de création, d'utilisation, d'exploitation et de contrôle des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique définit les conditions auxquelles sont assujettis la création, l'utilisation, l'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ainsi que l'exercice du contrôle de l'État sur ces aérodromes. 4. Le projet de décret relatif aux titres et qualifications des personnels de l'aviation civile précise les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des titres de qualification au Mali. Il précise également les conditions de reconnaissance des titres étrangers, ainsi que celles relatives à l'exercice de certaines activités par le personnel navigant professionnel étranger. 5. Le projet de décret régissant l'exercice de l'activité d'inspecteur de l'aviation civile vise à combler les lacunes constatées dans la réglementation aéronautique nationale de base concernant l'activité d'inspecteur de l'aviation civile. Il détermine les conditions d'exercice de l'activité d'inspecteur de l'aviation civile, les droits et obligations et les régimes disciplinaires applicables aux inspecteurs. Il prend en compte les recommandations formulées par les missions d'audit effectuées dans notre pays par l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, et vise à doter les inspecteurs de l'aviation civile des moyens et pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, directeur des finances et du matériel, M. Ismaël Koulibaly, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, conseiller technique, M. Boubacar Traoré, administrateur civil. Au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, directeur général adjoint de la police nationale, M. Amidou Gogouna Kansai, contrôleur général de police. Des à vous. Merci Ibrahima Djambélé. Nous poursuivons ce journal avec tout d'abord ce message de condoléances du professeur Diankunda Traoré, président de la République par intérim, au président américain Barack Obama suite au double attentat de Boston. Message ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec une profonde affliction que le peuple malien tout entier et moi-même avons appris la nouvelle du double attentat de Boston le lundi 15 avril 2013 qui a provoqué la mort de 3 innocentes personnes, fait plusieurs dizaines de blessés et causé un grave traumatisme aux États-Unis et dans le reste du monde. Dans cette épreuve douloureuse qui interroge une fois de plus notre responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes, je voudrais, au nom du peuple, du gouvernement, des institutions de la République du Mali, ainsi qu'en mon nom propre, vous présenter nos sincères condoléances, notre compassion et notre solidarité. Par la même occasion, je voudrais souhaiter prompt rétablissement aux blessés dont certains porteront à vie les stigmates de cette barbarie aveugle dont l'unique dessein était de transformer le marathon du Patriots Day, un événement sportif mondialement reconnu, en un drame sans nom. Nous condamnons avec fermeté les auteurs et commanditaires de ces attentats qui doivent être recherchés, arrêtés et punis par la justice des hommes. Plus que quiconque, les Maliennes
et les Maliens qui vivent dans leur chair les affres de la violence terroriste gratuite mesurent les conséquences physiques et psychologiques de tels événements. Mais nous ne doutons point, pas un seul instant, que le grand peuple américain saura faire face à ces attentats ignobles, qu'aucune idéologie ni aucune cause ne saurait justifier. Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer ma très haute et fraternelle considération signée le professeur Diankuna Traoré, président de la République par intérim. Vous le savez, le Mali dispose depuis hier d'une usine d'assemblage de voitures Hyundai et de véhicules militaires de marque Kia. L'infrastructure a coûté un peu plus de 6,5 milliards de francs CFA à ses promoteurs sud-coréens et maliens et produira 2000 véhicules par an. Première en Afrique, la réalisation de cette usine devra couvrir le marché national et sous-régional en véhicules made in Mali. À la cérémonie d'inauguration présidée par le président de la République par intérim, en hôtel la présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement et de l'ambassadeur de la Corée du Sud au Mali. Reportage de Mamari Kone. De la commune rurale de Nankourouba, à 1 mètre de Bamako, l'usine d'assemblage Wad Yungsang Industries est le fruit de la collaboration entre le concessionnaire malien Wad Motors et le constructeur sud-coréen Yungsan. D'un coût d'un peu plus de 6,5 milliards de francs CFA, cette usine aura une capacité de production de 2000 véhicules par an. Elle emploiera également plus d'une centaine de personnes à plein temps et facilitera la mise en place d'un réseau de fournisseurs. Avec des ateliers de fabrication, des installations modernes de production, la relation et la coopération entre les deux pays. Il l'avait considéré à partir du début de tout ça. Alors, à comparer qu'il lance tout seul ses affaires, s'il pourra collaborer ou faire des coopérations avec une société malienne, ce serait beaucoup mieux pour lui. On était d'abord une société de distribution, donc j'ai eu l'idée en 2011 d'aller sur l'assemblage. Donc j'ai rencontré mes partenaires qui ont voulu aller vers moi, parce que j'ai dit au lieu qu'on importe des véhicules qui viennent de l'Europe, des véhicules viennent d'une véritable industrie automobile dans notre pays. Celle-ci jette les bases d'une intégration en ouvrant la voie à de multitudes d'autres projets d'investissement industriel dans les domaines de la fabrication de pneumatiques, d'accumulateurs, de pots catalytiques ou tout autre composant rentrant dans la fabrication des véhicules. En coupant le ruban symbolique, le président de la République par intérim dira que cette inauguration est un signe d'espoir et répond aux souhaits des populations et de l'armée malienne. Elle va permettre à nos populations d'avoir accès à des véhicules neufs et bon marché. Et qu'elle va également permettre à notre armée nationale d'avoir sous la main des équipements solides et qui, je pense, répondront à toutes les exigences du terrain. Des cadeaux de reconnaissance et d'encouragement ont été donnés à quelques personnalités présentes à la cérémonie. Le premier véhicule assemblé a été offert au président de la République par intérim. Créé en 1967, Hyundai Motor Company est le premier constructeur coréen d'automobiles et le quatrième constructeur mondial. Il est actuellement présent dans plus de 193 pays avec plus de 5000 points de distribution. Je voulais annoncer dans la première. Et ce jusqu'où, dont l'objectif principal est la promotion et l'intégration de l'emploi, développement du et du commerce, représentant le Premier ministre. Le reportage de Nyanya à l'autre. Une première édition du Salon des jeunes entrepreneurs de l'UOA à Bamako n'est pas fortuite. Elle répond à un besoin réel de faire connaître le savoir-faire des jeunes entrepreneurs tout en leur permettant d'échanger avec d'autres nationalités. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut trouver des solutions pour ensoleiller notre devenir. Ceci se concrétisera que lorsque nous jeunes de cet espace commun, qu'elle et moi déciderons de nous unir et d'œuvrer ensemble. Pendant 5 jours, plus de 20 exposants des 8 pays de l'UEMOA montreront leurs produits au grand public. Si vous installez ça dans votre maison, vous avez accès aux images n'importe où que vous soyez dans le monde entier. Avec l'aide de votre petit téléphone portable ou votre ordinateur, vous avez l'image. J'expose rien en fait,
J'expose que la connaissance que nous avons en formation. On vient de se spécialiser dans tout ce qui est éclairage à basse consommation, les ampoules, les nouvelles ampoules économiques améliorées, les LED, qui économisent jusqu'à 90% de la consommation d'électricité. Le représentant résident de l'UEMOA au Mali ainsi que le président de la Chambre transitoire de la CICIM a fortement salué l'initiative. Nous avons été impressionnés par l'esprit d'initiative des promoteurs. Et deuxièmement, nous nous sommes dit, voilà un espace réel d'éprouver les services dont nous disposons à l'intention des entreprises. Et troisièmement, nous voulions donner un signal fort qu'aucune situation, même une situation de crise exceptionnelle, ne doit empêcher l'entreprise de prospérer. Comme dirait l'autre, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Un adage bien assimilé, en tout cas par ces jeunes qui déjà ont fait leur preuve. Ce communiqué de l'interprofession du coton du Mali a porté à votre attention. Les prix d'achat de base du coton graines pour la campagne 2013-2014 sont fixés comme suit. Premier choix, 250 francs CFA le kilo. Deuxième choix, 225 francs CFA le kilo. Et troisième choix, 205 francs CFA le kilogramme. Le chef de la MISMA, Pierre Bouyoya, a rendu visite hier à Kidal au contingent tchadien engagé dans les opérations de recouvrement de l'intégrité de notre territoire. Il a félicité l'armée tchadienne pour son apport appréciable et indiqué qu'elle sera désormais soutenue financièrement par la MISMA. Kidal est aujourd'hui sécurisée par l'armée française et tchadienne pendant que les groupes armés semblent invisibles dans la ville. Le récit de nos envoyés spéciaux, Oumar Moussatra et Youssouf Diarra. Arrivé hier mardi à Kidal à bord d'un Transal C-60 de l'armée française, le chef de la MISMA s'est longuement entretenu avec le commandant du contingent tchadien, le général Oumar Bikimo, avant de procéder à une longue revue des troupes tchadiennes basées à Kidal. Nous sommes venus en notre qualité du chef de la MISMA, représentant spécial de l'Union africaine, mais accompagné du commandant de la force, de la MISMA, pour visiter le contingent tchadien. Compte tenu des circonstances, leur présenter nos condoléances à cause de ce qui s'est passé le week-end dernier. C'était l'objet de notre discussion avec le commandant du contingent tchadien. Il nous a longuement parlé de la situation sécuritaire sur le terrain, de la collaboration qu'il y a avec le contingent français, qui est une collaboration exemplaire. Et nous avons constaté d'ailleurs que le contingent tchadien se tient très bien. Pour les soldats tchadiens, c'est assurément la fin des opérations militaires sur le terrain. Bien qu'après les opérations qui ont eu lieu dans les Adrar, surtout à partir de Métataï, qui est la base arrière de l'Est. Et par la suite, il y a eu un ratissage complet de tous les Adrar. Kidal est en paix et en sécurité. Le représentant spécial de l'Union africaine confirmera le soutien financier de la MISMA au contingent tchadien, dont une partie vient de se retirer. Un contingent qui devrait normalement continuer à servir la MISMA. Les pays contributeurs de troupes prennent en charge leurs hommes pendant 3 mois. Et après les 3 mois, c'est la mission qui va prendre en charge les troupes au niveau logistique, dans tous les domaines. Et nous sommes venus assurer le commandement du contingent que nous sommes prêts pour faire ça prochainement. Kidal est donc sécurisé par les forces françaises et tchadiennes. En revanche, les groupes armés étaient quasiment invisibles ce mardi dans la ville. Une visite des principales artères de la ville par le cortège officiel encadré par les soldats tchadiens pendant une trentaine de minutes environ a permis de s'en rendre compte. Leur présence est toutefois signalée au niveau des checkpoints créés par eux. Une situation qui n'est pas sans agacer quelque peu les soldats tchadiens. Il faut que l'armée malienne vienne à Kidal pour identifier les terroristes. Les yeux sont maintenant rivés vers le retour de l'État dans la région avant le début des opérations électorales qui pointent déjà à l'horizon.
De son côté, le chef de mission de l'EUTM au Mali était en visite ce matin au centre d'instruction de la garde nationale. La visite du général François Lecointre intervient après 4 semaines de formation destinée à une trentaine de gardes. Le compte-rendu de la visite avec Alousseni Touré. Le camp des gardes de Tommy Korobougou ce matin. Après la revue des troupes en compagnie du chef d'état-major de la garde nationale, le général Lecointre s'est dirigé vers la salle de formation où l'attendent une trentaine de gardes et leurs instructeurs européens. Là, le général a eu droit à une démonstration de la part des apprenants, mais loin des caméras. Ceux-ci ont mis en application les leçons de 4 semaines de formation, pronostic du patron de la formation. Je dois avouer que ce n'est pas par hasard que nous sommes venus à la garde, dans cette unité très particulière, qui est quand même une unité avec une forte identité, une forte cohésion, et une unité un petit peu d'élite dans les forces armées et de sécurité maliennes. Et je dois vous avouer que nous avons été particulièrement heureux de pouvoir commencer la formation que nous dispensions, avant même d'ouvrir le centre de Kolikoro, par une formation ici à la garde nationale. Et que dire de la hiérarchie de la garde dont les attentes sont grandes pour cette formation spécifique? C'est une formation qui est venue à point nommé, d'autant plus que la période qu'on traverse actuellement, la garde nationale est fortement impliquée dans les grandes missions aujourd'hui, telles qu'au niveau de la protection des institutions, qu'au combat même sur le terrain avec l'engagement d'un CTIA. Donc c'est bien, c'est venu à point nommé, d'autant plus que toutes ces missions ne peut pas réussir sans de bons renseignements. La garde nationale, il faut le rappeler, est le corps le plus proche des populations de par sa répartition géographique sur le territoire national. Parlons à présent de la conférence hebdomadaire de la MISMA tenue ce matin à son siège ici à Bamako. Plusieurs sujets ont été abordés par le conférencier, parmi lesquels la poursuite du redéploiement des troupes ou encore la visite du chef de la MISMA à Kidal. Tant que la MISMA est aujourd'hui présente dans les villes de Tombouctou, Gao et Kidal. Reportage de Agali Agissa. La sécurisation des villes et localités libérées par l'armée malienne et ses alliés constitue une phase importante dans la protection des personnes et leurs biens, une tâche à laquelle s'attellent les troupes de la MISMA. La MISMA est en train d'achever l'application de la DCO2. DCO2, entendez, Directive conjointe des opérations numéro 2. Ainsi, le déploiement des éléments à Tombouctou se poursuit et prendra certainement fin avant la fin de la semaine. 2 compagnies de la force d'intervention rapide ont été redéployées pour renforcer le dispositif à Gao, où il est prévu l'installation d'un PC, c'est-à-dire un poste de commandement avancé de la force dans les prochains jours. Depuis le 14 avril, des éléments ont été déployés à Douenza et des hommes seront bientôt envoyés à Gossi, Léré et à Diabali. Le conférencier a évoqué la visite du premier responsable de la MISMA à Kidal pour soutenir les troupes tchadiennes victimes d'une attaque suicidaire qui a provoqué la mort des 4 soldats et blessé 3 autres. Autre drame évoqué, le décès de 5 militaires survenu suite à l'accident de l'hélicoptère de l'armée malienne. Le retrait des troupes tchadiennes, la transformation de la MISMA en mission de paix de l'ONU était notamment au centre des préoccupations des journalistes. Selon le conférencier, le changement de commandement des forces de la MISMA est sans effet sur leur mission de lutte contre le terrorisme au Mali. Il ajoutera que les forces tchadiennes resteront au Mali sous les couleurs de la MISMA. Sur le plan humanitaire, on dénombre plus de 175 000 réfugiés maliens, 292 000 déplacés à la date du 11 avril selon les organisations humanitaires. Autre sujet, le ministre de l'économie, des finances et du budget est actuellement à Washington aux États-Unis. Tiana Koulibaly prend part aux assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale qui ont démarré cette semaine. Sur place, il aura un agenda chargé avec notamment une table ronde préparatoire de la réunion des partenaires du Mali prévue à Bruxelles le 15 mai prochain, ainsi qu'un tête-à-tête avec le président de la Banque mondiale. Mais déjà hier soir, Tiana Koulibaly était l'invité à dîner de l'ambassadeur du Mali à Washington en présence de la communauté malienne. Reportage de Salif Sanogo.
une session intensive qui attend le locataire de l'hôtel des finances dans la capitale fédérale américaine à l'occasion des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods. Dès ce mercredi, le ministre Tienan Koulibaly va commencer un véritable marathon de plusieurs réunions en prenant part à certains travaux en plénière et en multipliant surtout les rencontres tant au niveau bilatéral que multilatéral. Il aura ainsi l'occasion de rencontrer le président de la Banque mondiale pour des discussions très prometteuses, laisse-t-on entendre ici. Il procédera également à la signature de l'accord de prêt du projet de développement de l'irrigation du Bani avec l'OPEP. Tienan Koulibaly et sa délégation prendront également part à une table ronde régionale sur le Mali ainsi qu'à la réunion de haut niveau sur le renforcement de la stabilité et de la croissance dans la zone UEMOA. Ces assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale commencent à un moment où les perspectives de croissance des pays émergents et les pays en développement sont jugées globalement bonnes. Ainsi, la croissance devrait rester vigoureuse pour passer d'environ 5% en 2012 à près de 5,5% cette année. Cependant, quelques pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord continuent de faire face à des transitions internes difficiles, des sujets qui seront certainement abordés par le ministre des Finances et ses interlocuteurs. Retour sur le continent, nous allons au Sénégal où l'ambassadeur du Mali au Sénégal, Moulay Ali Khalil Askofaré, a inauguré ce matin à Dakar la salle Tombouctou de l'institution scolaire Marc Perrault à Anne Mariste. L'ambassadeur a remercié les responsables de l'établissement et les autorités sénégalaises sur le choix porté sur Tombouctou, patrimoine culturel universel de l'humanité, et a invité les élèves de la classe de 6e à mériter de Tombouctou et de son aura culturelle. Retour à l'actualité nationale. Fin des travaux de la 7e édition du Conseil de direction du contrôle financier. Les deux jours d'échange ont permis de recenser les préoccupations des différents acteurs du secteur afin d'assurer l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Pour ce faire, il recommande l'élaboration de plans de passation de marchés publics au niveau régional et préconise des mesures pour les dépassements de crédit. Sira Bachili nous en dit plus. Pour faire évoluer les services du contrôle financier, ces acteurs misent sur 9 directives. Il s'agit d'abord de mener les concertations nécessaires afin que le rapport du contrôleur financier soit une pièce justificative de la dépense publique. Ensuite, d'élaborer les plans de passation du marché public au niveau régional et surtout d'envisager des mesures pour arrêter les dépassements de crédit. Cette recommandation pose les problèmes de mobilisation des ressources des collectivités locales. Donc des ressources des communes. Une autre recommandation que nous avons faite par rapport à la déconcentration porte sur la communication d'informations que les percepteurs doivent faire ou de cette perception où le contrôle financier n'est pas représenté. La représentation du contrôle financier s'arrête au niveau des cercles. Un autre aspect important, c'est l'harmonisation entre le contrôle sélectif envisagé par l'UEMOA et l'exigence des mandats visés par le contrôleur financier. Aucune dépense ne doit être payée par le Trésor si elle n'a pas reçu le visa préalable du contrôle financier. C'est le premier point de contrôle que l'agent du Trésor doit suivre avant les autres contrôles. Nous resterons toujours là, comme gardien des finances publiques. Nous ferons du mieux pour que le peu de ressources que l'État a, même si les partenaires nous appuient. Aujourd'hui, vous vous rappelez que par moment, les partenaires techniques et financiers s'étaient retirés. Les coopérants étaient partis, mais ça commence à venir. Mais de toutes les façons, que ce soit les partenaires, nous, on compte vraiment, comme j'ai à vous le dire, sur les ressources internes de l'État d'abord. Bon, ce peu, si nous les gérons bien, je crois qu'on pourrait faire face à la crise. Occasion d'échanges fructueux et de mise en route de bonnes perspectives pour l'amélioration de la qualité du contrôle financier, la 7e session du Conseil de direction du contrôle financier a permis aux acteurs de la chaîne de la dépense publique de faire le point de toutes les préoccupations afin d'assurer l'efficacité dans la gestion des finances publiques.
Nous restons dans le milieu des finances. Il s'avère que le taux d'accès des services financiers en milieu rural est très faible. Il oscille entre 2 et 3% seulement contre 12% au niveau national. Une tendance qui doit être inversée. C'est à cet exercice que se livre l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés et ses partenaires. Reportage de Mohamed Diarra. Partenaires techniques et financiers, directeurs des systèmes financiers décentralisés, représentants des banques sont réunis pendant 2 jours pour parler de microfinance. Les discussions portent sur la problématique de l'accès des services financiers en milieu rural, une situation qui est prise à bras le corps par les différents partenaires. La raison est que 70% de la population malienne vit du secteur agricole. On constate un faible attrait des institutions financières du Mali pour le milieu rural. D'où un taux de bancarisation en milieu rural qui oscille entre 2 et 3% contre un taux national d'environ 12%. Le secteur de la microfinance au Mali a enregistré les indicateurs suivants en 2011. Sociétariat, 1 086 058 sociétaires, dont 60% en milieu rural. Donc la microfinance reste encore largement rurale. Il s'agit là donc de diagnostiquer le mal afin de trouver des remèdes efficaces. L'exécutif est conscient de la pertinence des thèmes choisis. L'offre des services financiers en milieu rural et les contraintes, l'adaptation des services financiers aux réalités des exploitants agricoles. Pour relever ces défis, l'accompagnement du gouvernement ne fera pas défaut. Le gouvernement encouragera les acteurs au développement et à la vulgarisation des instruments de financement et de gestion des risques agricoles des filières. Ces instruments seront des documents de référence utiles pour les gestionnaires agricoles et les institutions financières qui désirent être outillés contre les risques inhérents à la gestion de leur activité et qui pourront réagir efficacement. Le but de cette rencontre est d'améliorer les indicateurs de la microfinance en milieu rural. Le ministre des Affaires religieuses et du culte s'est rendu cet après-midi sur le chantier de construction de la mosquée et du siège du Haut Conseil islamique. Les travaux qui avancent normalement pourraient prendre fin dans 2 mois. Le centre religieux est financé par la République turque dans le cadre de la coopération entre Bamako et Istanbul. Reportage de Agali Ag Agissa. Bâti sur une superficie de 2600 m², le centre religieux en construction devra comporter une mosquée et annexe, un bloc servant de siège au Haut Conseil islamique, des boutiques et autres. En se rendant sur ce chantier, le ministre est venu constater l'état d'avancement des travaux étalés sur une durée de 24 mois. Nous pouvons dire que la mosquée est presque finie. Selon les spécialistes, il reste 2 mois de travaux. Et ça, c'est les travaux de finition. Donc, l'essentiel est déjà fait. Nous pensons que dans 2 petits mois, la mosquée sera habitable. Le projet financé par les musulmans de la République turque témoigne l'exemplarité de la coopération entre nos 2 pays. Voir aujourd'hui ce bâtiment se réaliser, comme je l'ai dit, ça dénote vraiment des relations très, très fraternelles qui existent entre nos 2 pays. Et c'est aussi en réalité le symbole d'un jumelage entre la commune d'Ayoub d'Istanbul et Bamako. Cette mosquée est une expression de notre solidarité avec le Mali. Nous avons eu beaucoup de contacts historiques avec le Mali pendant l'Empire ottoman. La réalisation de ces projets contribue à la promotion de l'islam dans notre pays et permet sans nul doute de mieux outiller le Haut Conseil islamique. Demain, c'est le lancement de la campagne nationale en faveur de la planification familiale. Le thème retenu cette année est « Planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences ». À cette occasion, écoutons le ministre de la Santé, Soumana Makadji. Ses propos ont été recueillis par Khadidia Toukoni. Aujourd'hui, dans le monde, une femme meurt chaque minute suite aux complications liées à la grossesse et ou à l'accouchement.
Malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, la prévalence contraceptive reste toujours faible, 7%, et le nombre moyen d'enfants par femme est de 6,6. La conséquence directe de cette faible prévalence est l'accroissement rapide de la population du pays. Au regard de tous ces constats alarmants, le Mali a élaboré des politiques et stratégies pour une maîtrise efficiente de sa population, dont la promotion de la planification familiale constitue un des axes prioritaires. Depuis de nombreuses années, avec l'appui de nos partenaires, des actions importantes ont été menées pour rendre les services de planification familiale accessibles et disponibles. Ainsi, cette 9e édition 2013 mettra l'accent sur les violences sexuelles en période de crise à travers le thème « La planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences ». Et toujours dans le cadre de la sensibilisation des populations sur la planification familiale, le ministère de la Santé a animé une conférence de presse pour le lancement de la 9e édition prévue demain. Khadidia Toukoné y était, voici son reportage. Cette 9e édition est placée sous le thème « Planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences compte tenu de la situation que vit le Mali ». Pour le lancement de la dite édition, le ministère de la Santé a tenu une conférence de presse pour informer et sensibiliser les populations sur les services de planification à tous les niveaux. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les conférenciers et les journalistes ont débattu sur les questions, à savoir les avantages de la planification familiale, la situation actuelle de la planification familiale, les défis à relever, etc. L'objectif de la campagne, c'est de renforcer tous les services de planification familiale à tous les niveaux pour le bien-être de la population en général et en particulier des populations déplacées. Malgré toutes les actions et stratégies menées, le taux de prévalence contraceptive reste toujours très bas, 7% en 2006, et le taux de fécondité toujours élevé, soit 6,6 enfants par femme concernant la même année. Pour cela, le ministère et ses partenaires entendent maintenir l'engouement autour de la planification familiale par tous les acteurs, renforcer la disponibilité et la bonne gestion de la logistique des produits contraceptifs, renforcer également l'adhésion des médias, des hommes, des leaders communautaires et religieux et mettre en place un système performant de collecte de données. Le ministre délégué chargé de la décentralisation a présidé ce matin les travaux de la 4e réunion ordinaire de la structure mixte de concertation locale des projets appui à la décentralisation de la région de Koulikoro et appui à l'état civil. Les acteurs ont passé en revue plusieurs points, entre autres la présentation de la stratégie d'intervention du projet d'appui à l'état civil ou encore les demandes de changement budgétaire. Reportage de Seydou Traoré. Cette 4e réunion ordinaire de la structure mixte de concertation locale SMICOL des projets appui à la décentralisation de la région de Koulikoro PADK 2 et appui à l'état civil PAEC a été l'occasion pour les acteurs d'examiner et de valider les différents documents soumis à leur appréciation. Il s'agit de l'état d'exécution des recommandations de la 3e SMICOL, les rapports d'activité 2012 du PADK 2 et du PAEC, sans oublier les planifications opérationnelles 2013 des deux projet et les demandes de changement budgétaire du projet d'appui à l'état civil. Des points importants dans la poursuite des activités de ces projets de développement. Les résultats et objectifs fixés par le PADK2, à savoir la consolidation du processus de décentralisation et de la bonne gouvernance afin de contribuer au développement socio-économique durable des populations de la région de Koulikoro. Les réalisations ont porté sur 450 826 120 francs CFA sur une prévision de 1 615 884 474 francs CFA, soit 28%. En ce qui concerne le projet d'appui à l'état civil dans la région de Koulikoro, les réalisations ont porté sur 65 670 702 francs CFA
contre une prévision de 225 583 612 francs CFA, soit 29%. Le ministre en charge de la décentralisation a enfin invité tous les acteurs impliqués dans ces deux projets de jouer leur partition dans la mise en œuvre cohérente des activités. Orange Mali apporte sa contribution dans l'amélioration des conditions de travail des agents de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM. La direction générale de l'ORTM a réceptionné ce matin 20 ordinateurs offerts par la société de téléphonie mobile. Adama Kodjo. Un palier supplémentaire franchi dans le partenariat entre l'Office de radiodiffusion télévision du Mali ORTM et la société de téléphonie mobile Orange Mali. L'opérateur téléphonique vient d'offrir 20 ordinateurs de marque HP à l'Office, un geste qui intervient suite à certains constats. Il était important que par ce geste de signifier à la direction de l'ORTM et au personnel de l'ORTM notre solidarité dans les moments difficiles que le pays traverse et le courage que les équipes de l'ORTM montrent sur le terrain vraiment nous encourage aussi à penser à eux, à leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille-là. Le geste est naturellement salué par la direction générale de l'ORTM car la structure a besoin d'évoluer avec le développement technologique. C'est des moyens pour nous de transfert et de transport des reportages faits ici et ailleurs. Vous voyez, tous les jours, nous recevons des images directement de Paris, des images de Gao, des images de Tombouctou qui arrivent à travers l'Internet et donc par l'ordinateur. Vous voyez également dans nos studios de production, c'est indispensable. Désormais, vraiment, tout se fait par ordinateur et donc cela est d'une utilité immense. Selon Baba Dagamaïssa, l'opérateur global de télécommunications qui accompagne ainsi l'ORTM est l'un des sponsors officiels de sa structure. Et nous saluons ce soir nos téléspectateurs de Boni et de Douansa, c'est dans la région de Mopti, qui reçoivent de nouveau la télévision malienne depuis hier mardi. Nos ingénieurs et techniciens sont à la tâche et bientôt, les autres communautés de toutes les régions du Nord auront le signal de la télévision. Avec la libération totale en cours de l'ensemble du territoire national, grâce à l'armée malienne et ses alliés, l'ORTM poursuit sa reconquête des localités qui ont été privées de ses services pendant des mois. Voilà donc, ce soir, nous saluons nos téléspectateurs de Boni et de Douansa qui reçoivent de nouveau l'ORTM. Le cercle des docteurs en droit s'élargit avec la soutenance de thèse de Ibrahima Boubacar Sow. 5 ans durant, l'étudiant qui a bénéficié de l'appui du programme TOCTEN a travaillé sur le thème problématique de la gestion des fonctionnaires des collectivités territoriales au Mali. Le jury était présidé par le professeur Eloi Diarra, professeur à l'Université de Rouen en France. Alessane Touré était à la soutenance. Ibrahim Boubacar Sow est désormais docteur en droit public. Il vient de soutenir une thèse intitulée « Problématique de la gestion des fonctionnaires de collectivités territoriales au Mali ». Le jury composé des professeurs Mayassine Diagne, Samba Traoré, Ablaye Diaraï et Eloi Diarra lui a attribué la mention très honorable. Moi, ce qui m'a surtout motivé par rapport au choix de ce sujet, c'est que ce sujet n'a pas fait l'objet d'études dans la sous-région. Et c'est une des particularités, c'est l'un des éléments aussi en lequel on peut se focaliser sur les politiques au niveau interne pour essayer de faire des orientations sur une possible gestion pérenne des fonctionnaires de collectivités territoriales au Mali. Le jury ne tarit pas d'éloges sur le candidat qui compte naturellement s'investir dans le domaine universitaire. Mais cette thèse, il la doit surtout au programme TOCTEN, un programme qui permet aux nationaux expatriés de revenir donner un peu de leur savoir à leurs concitoyens. Je veux rendre hommage au TOCTEN. Grâce à son action, de nombreuses thèses ont pu être soutenues ici dans l'université de Bamako, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine juridique. Le TOCTEN apporte un appui énorme. Par exemple, c'est grâce au TOCTEN que j'ai pu être financé pour être présent et participer au présent jury. Le TOCTEN est cofinancé par le gouvernement malien et le PNUD et vise à doter nos universités en enseignants bien formés. Une médaillée d'or de l'indépendance du Mali vient de nous quitter. Sissoko Mariam Sow n'est plus. Elle a été accompagnée dans sa dernière demeure hier, mardi, au cimetière de Ségou. Reportage de Fousséni Samaki.
Madame Sissoko Mariam Sow est née il y a 96 ans à Kogoni dans le cercle des Nyolo. Cette militante des premières heures a combattu pour l'indépendance du Mali. Véritable mobilisatrice politique, Mariam Sow de la panafricaine des femmes à l'Union Ghana-Guinée-Mali est l'une des femmes qui ont souscrit financièrement pour la création de la Radio Mali. Tout cela a été couronné par sa décoration en 1966, médaille d'or l'indépendance du Mali par le président Modibo Keïta. Ses compagnons de lutte reconnaissent en cette dame une combattante hors pair. Je retiens d'elle une brave femme, une femme honnête, dévouée, qui avait de ce cas-là la première section. Elle était compréhensible, elle était très patiente. Par ailleurs, Mariam Sow s'est investie pour la création des écoles fondamentales de Amdalaï A et B de Ségou. Elle laisse derrière elle des collaborateurs, amis, parents, 8 enfants et plusieurs petits-fils inconsolables. Dors en paix, maman Mariam. Paix à son âme. Amen. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, je vous retrouverai. Merci à vous de visiter notre site www.ortm.ml. Bonsoir.